Yes, salut à tous, c'est Pierrot, nous sommes actuellement dans les premiers jours du mois d'avril 2021 et je sens, j'ai l'intuition que ce podcast va être un petit peu historique, pas forcément dans le bon sens du terme, j'ai l'impression que la thématique dont je vais parler avec vous aujourd'hui va faire que je vais dire des trucs que peut-être dans quelques mois, quelques années, j'aurais peut-être un petit peu honte d'avoir dit ça, c'est pas grave. Honte, je sais pas, mais en tout cas je sens que ça va être daté ce que je vais dire et en même temps quand ça va être daté, ça a un petit côté historique, donc j'adore ça et j'assume complètement le fait que je puisse passer pour un ignare ou quelqu'un qui serait passé à côté de la plaque de certaines choses. Enfin bref, vous êtes sur le podcast de l'Onironaute en compagnie de Pierrot. Dans ce podcast, évidemment, allez, on va commencer à faire un effort de prononciation, de bien prononcer chaque lettre. Dans ce podcast, on parle de pratiques psychiques, exploratoires, d'exploration mentale, exploration imaginaire, rêve lucide, volontaire, hors sommeil, hors sommeil, et auto-hypnose, forcément. On parle aussi des outils qui nous permettent d'expérimenter tout ça, donc l'auto-hypnose, la méditation, la sophrologie, l'intériorité, la créativité, évidemment, la culture aussi, puisqu'il nous arrive de parler de films, de livres, de BD, de ce genre de choses. Ça c'était pour un petit récap de petite présentation du podcast. S'il y en a qui arrivent en cours de route, le podcast de l'Onironaute, ça parle de ça, c'est ludique, ça n'a rien de scientifique, je n'ai aucun diplôme dans tout ce que je raconte, donc voilà, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien. Sur cette écoute, aujourd'hui vous m'écoutez parler et aujourd'hui je vais vous parler des shifters. Alors qu'est-ce que c'est les shifters? J'ai découvert ça hier. Oui, j'ai découvert ça hier. Peut-être s'il y en a qui connaissent déjà et qui connaissent le podcast de l'Onironaute, ils vont se dire mais c'est pas possible qu'il en ait entendu parler que hier. Et ben si, c'est possible, voilà, moi j'ai 42 ans, mon réseau social, c'est celui qu'on m'a donné quand c'est arrivé, les réseaux sociaux, donc c'est celui de Mark Zuckerberg, c'est ce bon vieux Facebook, voilà. Je suis assez peu actif dans tout ce qui n'est pas Facebook, et donc je passe à côté de plein de choses, forcément, voilà, je suis d'une certaine génération, je suis pas tout jeune maintenant, et donc voilà, forcément on a la génération qu'on a, ça c'est ses mauvais côtés, ses bons côtés aussi, donc ça me va très bien. Et par exemple je suis pas trop TikTok en fait, hein, dans ce terme là, shifter, en fait j'ai entendu parler de en lisant un article qui parlait de ce phénomène qui aurait lieu principalement sur TikTok. En fait, il y aura une mise en commun d'expériences de ce type sur ce réseau social, donc dans TikTok, mais pas que, puisqu'il parle aussi d'autres réseaux, d'autres sites où il y a un partage d'expériences. Donc, les shifters, ce sont des gens qui pratiquent... comme le rêve lucide volontaire, donc pas en train de dormir, mais en fait tout simplement en état d'auto-hypnose, sans forcément d'ailleurs revendiquer l'utilisation de l'hypnose, hein, ils le font, ils savent peut-être, certains ne savent même pas que c'est de l'hypnose, ou peu importe en fait, que ça soit de l'hypnose ou de la méditation, en tout cas il y a une aventure psychique adoptée par un certain nombre de gens, même beaucoup de gens en fait, l'article parle même d'une tendance, forte avec des centaines de milliers d'adeptes supposés. Après, c'est toujours un peu délicat et difficile de voir quelle est la part... Enfin, une tendance, par définition, c'est très, très difficile d'en délimiter les contours et de chiffrer ça. En tout cas, il y aurait suffisamment d'activités autour de ce mot pour pouvoir dire qu'il y a un phénomène qui existe. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui choisissent de switcher de réalité. De passer du temps non pas sur des jeux vidéo ou ni à faire leurs devoirs, ni à regarder des films, ni à lire, ni à quoi que ce soit d'autre, mais à fermer les yeux et à switcher de réalité et à se projeter dans une réalité alternative dans lesquelles tous les paramètres sont évidemment à leur avantage, c'est-à-dire ils peuvent choisir d'incarner qui ils veulent et ils peuvent choisir de vivre ce qu'ils veulent. Donc il y a un peu des protocoles et des partages d'astuces, d'idées, donc qui se disent un peu comment faire pour y arriver. Il y en a qui disent que c'est dur d'y arriver aussi, que ça prend plusieurs mois, que c'est une technique qui nécessite un certain investissement, un certain travail pour pouvoir y parvenir. Et puis, t'en as qui témoignent de leur... qui ont eu des périodes où ils shiftaient beaucoup, et puis presque après rentrer un petit peu dans quelque chose d'assez addictif. Et voilà, donc c'est très riche. Alors là, je vais quand même, la moindre des choses, c'est de vous dire où j'ai lu l'article, parce que cet article a été fait par des gens, et donc il faut, je les remercie de leur travail. Donc c'est un site qui s'appelle l'ADN, que je connaissais pas, je crois pas avoir déjà vu d'article de ce site. Donc c'est sur l'adn.eu et ça parle des shifters. Voilà, si vous tapez shifter, de toute façon j'ai regardé dans Google, vous allez tomber dessus en premier sur cet article. On voit qu'il y a un vocabulaire propre aux shifters, hein, donc vous avez compris que les shifters c'est en plein dans ce que je fais depuis 1 an et demi, c'est-à-dire que moi je fais des audios, des expériences oniriques guidées que je mets en ligne sur le site Onigate, sur mon site. Donc, et ces expériences oniriques guidées sont des réalités alternatives en audio qui s'écoutent comme on écouterait un livre audio et qui permettent de vivre une histoire, d'incarner quelque chose pendant 20 minutes, un quart d'heure. D'entrer dans une réalité alternative en utilisant l'hypnose, puisque les expériences oniriques guidées sont écrites avec des inductions hypnotiques, et voilà, c'est écrit à ce but là, dans ce dessin là, et donc voilà, quand j'ai entendu parler des shifters, j'ai fait waouh, c'est exactement en fait ce que je fais depuis, c'est l'idée que j'ai eue en novembre 2018, voilà, c'est aussi pour ça que je disais que ce podcast allait être historique. C'est le 14 novembre 2018, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir une idée géniale de se créer soi-même une fiction alternative en utilisant l'hypnose, l'auto-hypnose, et de vivre des histoires volontairement. Donc en fait de se faire le sujet de sa propre fiction et non pas faire ça par les autres, par les scénaristes de films et les auteurs de livres et tout ça, mais donc de choisir volontairement une aventure psychique. Et donc cette idée-là que j'ai eue le 14 novembre 2018, je me suis dit que forcément ça devait exister. Dans un sens, évidemment, ça existe depuis la nuit des temps, depuis que l'être humain est capable de se raconter des histoires, même de parler, puisque le langage, c'est la première des fictions. Donc, à l'origine du langage, il y a déjà ce processus propre au cerveau humain qui est de se détacher un peu de lui-même et d'avoir une capacité d'abstraction suffisante pour créer de la fiction. Voilà, la fiction, c'est le point de départ de la civilisation et de l'aventure humaine. Tout ça pour tout tant de grands mots pour dire des choses qui finalement sont très simples. L'idée est de s'éclater, l'idée est de fermer les yeux et de rêver volontairement. Et ça, c'est une super idée. Donc j'ai bien sûr, en 2018, je me suis pas dit que j'avais inventé le principe du rêve et de la fiction, pas du tout. j'ai eu cette idée, j'ai pas eu le sentiment d'avoir inventé quoi que ce soit, bien sûr, hein, me prenez pas pour un niaille, me prenez pas pour, pour un fou, c'est juste que l'idée est géniale en soi et je ne me l'approprie pas du tout. C'est l'idée qui est géniale, c'est pas moi. J'ai juste eu la chance de pouvoir m'en rendre compte que cette idée était vraiment géniale, et tellement géniale pour moi que ça me fait vous raconter plein de choses toutes les semaines dans ce podcast, parce que c'est vraiment c'est la source, en fait, c'est la source, c'est ce qui me donne envie de parler de tout ce dont je parle dans le podcast. Donc c'est aussi pour ça que c'est génial. Du coup, les shifters. Alors notre article sur les shifters, voilà, qui m'a laissé ébahi, quoi. J'ai trouvé ça mais vraiment génial. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des centaines, des milliers de jeunes dans d'autres pays. Il y en a sûrement quelques-uns en France aussi qui pratiquent le shifting ou qui sont eux-mêmes shifters. Et qui pratique ça. Donc là, c'est formidable. Alors, qu'est-ce que je voulais piocher aussi dans cet article? On a le vocabulaire. Voilà, il y a un vocabulaire qui ressort parce qu'évidemment, qui dit réseau social dit hashtag. Et donc, les hashtags qui reviennent souvent quand on parle de shift, des shifters, c'est CR, alors les deux lettres CR qui signifie Current Reality, donc quand ils veulent parler d'une expérience de shifting pour se démarquer, pour désigner la réalité courante, ils vont dire Current Reality, donc CR, et quand on a fait le shift, quand on est en train de shifter, et je rigole parce qu'en fait, si ça se trouve, dans 5 ans, 10 ans, 2 mois, il sera usuel de dire « Tiens, je vais me faire un petit shift, je vais shifter un peu, là j'ai une heure devant moi avant de partir, je vais shifter un peu, ça va me détendre. » Et donc, moi, je découvre ce mot. C'est pas grave, on assume, on est là, on est en avril 2021, c'est cool. Et en même temps, j'espère, si ça se trouve, le mot va complètement disparaître et ne sera jamais un mot grand public aussi. Donc, je passerai peut-être pour un con aussi pour ça, mais dans les deux cas, je le sens bien ce mot et je l'aime bien forcément. Je trouve ça super. Super qu'il y ait une activité comme ça et des gens qui se revendiquent d'une pratique psychique intentionnelle. Je trouve ça hyper positif. Donc CR, c'est la current reality, et DR, c'est la desired reality, donc la réalité désirée en français. Donc là actuellement je vous parle de l'ADR, je suis actuellement en pleine RD, donc en réalité... Ah non, pas du tout, je me suis trompé, voilà, je commence bien, je me suis trompé, je ne suis pas dans l'ADR, je suis dans la CR actuellement, je suis dans la réalité courante. Si je me mettais à rêver, si je fermais les yeux et que je posais le casque pour me faire un petit trip onirique, eh bien je serais à ce moment-là dans la DR, dans la Desired Reality, dans la réalité désirée. Ils ont aussi une waiting room, les shifters, c'est une sorte de salle d'attente où ils attendent, ils font un petit peu le... C'est une étape avant de rentrer dans la réalité désirée, où ils réfléchissent un peu à ce qu'ils ont envie de vivre. C'est comme si on travaillait son script un petit peu avant de s'immerger dedans. Et ça, alors, ça m'a parlé directement parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même instinctivement quand j'ai commencé à pratiquer l'auto-hypnose de manière un petit peu plus intense, donc en 2015. Donc en 2015, j'ai commencé à faire des expériences oniriques seul, donc avant d'avoir l'idée en 2018 d'en faire des guidés et d'enregistrer des audios où j'allais guider les gens à faire des expériences oniriques. Donc moi, quand j'ai fait mes expériences oniriques en solo, effectivement, j'ai tout de suite eu besoin de cette salle d'attente un petit peu qui est toujours la même, avec les mêmes objets, le même décor, et cette salle d'attente permet de passer encore un palier de transe. En fait, on entre dans une transe légère quand on est dans cette salle d'attente, et puis ensuite on prend le temps de se rendre compte qu'on est déjà un petit peu dans une autre réalité, et une fois qu'on sait un petit peu ce qu'on a envie de vivre ou de faire en réalité désirée, eh bien ensuite on fait un petit décompte mental. Par exemple, on compte de 100 jusqu'à 0 ou de 30 jusqu'à 0 si on a moins de temps, et puis on y va, et puis c'est parti. Voilà. Donc les shifters, je voulais vous parler des shifters aujourd'hui. C'est un truc, apparemment ça a l'air quand même assez important. Donc il y a quand même des vidéos qui parlent de ça, qui ont plus de 170 millions de vues, même 1 milliard. Ouais, non, c'est 1 milliard pour le hashtag Shifting Realities qui a littéralement explosé ces derniers temps. Tout récemment, l'article est récent, hein, il est de fin mars, enfin l'article est sorti il y a 2 jours ou 3 jours, quoi. C'est vraiment, c'est tout récent. Et ils disent aussi que sur Reddit aussi, qui est un site où on peut, que je connais pas, mais ou très peu, mais un site où on peut échanger des discussions un petit peu... Enfin, c'est assez énorme, hein. Il y a des millions et des millions d'utilisateurs, c'est très anglophone, mais voilà. Donc sur Reddit aussi, il y a la communauté Dimension Jumping. Voilà, génial, j'adore. Dimension Jumping, c'est excellent. Rien que le nom, c'est trop cool. Et je sais pas du tout si j'aurai le temps. Moi, j'aimerais bien aller voir un peu dans ces communautés, rencontrer des gens, discuter en ligne avec d'autres shifters, puisque de fait, je suis un shifter assidu, et même quand je me suis rendu compte de l'utilisation de ce mot, je me suis dit, mais est-ce que ça a un rapport avec le... quand il y a ce rappeur SCH, ce rappeur marseillais qui dit Shifter Pro au début d'un morceau qui a eu beaucoup de succès là récemment en bande organisée, un morceau de rappeur marseillais. Et en fait, pas du tout, ça n'a aucun rapport, puisque c'est un terme qui concerne les motocyclettes. Voilà, donc aucun rapport. Je me suis un peu emballé, je me suis dit en fait tout le monde connaît ce mot, et même les rappeurs en place connaissent ce mot. En fait, non, je me suis un peu emballé, mais peut-être qu'un jour on va dire shifter dans un morceau de rap très connu, et que les gens comprendront ce que ça veut dire, et c'est tout ce que je souhaite à l'humanité. J'aimerais bien que ça soit une mode, effectivement, et que ça arrive. Bah, c'est cool, c'est vraiment très cool, c'est tout ce que je peux... Alors, est-ce qu'il fallait que ça soit des jeunes qui le fassent? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait des hashtags dans TikTok, et un effet un peu de hype comme ça, pour qu'on s'intéresse à ça? Ben, sans doute. Ben, écoute, tant pis, ça passe par là. Peu importe par où ça passe, à un moment donné, il faut toujours... des journalistes aussi, hein, c'est des journalistes, des gens qui sont attentifs à ce qui se passe, et puis qui de quelque chose décident d'en faire un phénomène à partir de... Enfin, c'est vrai qu'il y a un moment où on peut dire, bah là, il se passe quelque chose, et puis c'est bien qu'il y ait des gens qui prennent la responsabilité de se dire, bon, bah là, il se passe un truc, et puis à partir de là, on peut y croire aussi. Et si ça peut agréger aussi les bonnes volontés, les bonnes pratiques par rapport à ça, bah c'est cool, hein, tant mieux. Tant mieux. C'est sûr que moi, je préférerais que les gens fassent soit shifter plusieurs heures par jour plutôt que de détruire la planète, faire la guerre. Et enfin, moi je pense que ça peut être peut-être une pratique qui pourrait être très cool et faire avancer d'une autre manière les idéologies, les mœurs des gens. Je suis allé encore beaucoup trop loin dans mon discours. Excusez-moi, c'était un peu fouillis ce podcast, mais très très enthousiaste en tout cas. Je sais que vous me pardonnerez ça si vous aimez bien mon enthousiasme. Je sais que dans la plupart de mes épisodes de podcast, je suis assez emballé par ce que je raconte, et c'est peut-être ça qui vous plaît le plus. Donc là, je pense que vous aurez bien compris que je suis un peu à fond et que je suis très 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 heureux de lire cet article que j'ai lu sur les shifters. Donc vive le shifting, Shift United all over the world, big up à tous les onironautes de la Terre et d'ailleurs. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui. À bientôt.